Vous avez de la chance d'avoir un joli parquet, mais un petit peu abîmé à cause de toutes ces soirées que vous avez passées à déplacer vos meubles. J'ai quelques solutions, pas chères, simples, efficaces, pour lui donner un coup de jeune. Tout d'abord, pour effacer une rayure, rien de plus simple, il vous suffit dans un vaporisateur d'ajouter du vinaigre blanc, de l'huile d'olive, à part égale. Maintenant que les deux solutions sont rassemblées dans le vaporisateur, vous mélangez, vous vaporisez sur la rayure, vous frottez avec un chiffon humide et la rayure va disparaître. Bon, alors pour atténuer une tache de décoloration du bois, c'est très simple, un peu surprenant comme astuce, vous allez voir, mais c'est simple. Il vous suffit d'infuser du thé noir. Vous imbibez un chiffon avec cette mixture. Plus le thé noir est infusé, plus la teinture sera foncée. Et ensuite, vous répétez l'opération si nécessaire et vous laissez sécher à l'air libre. Troisièmement, pour empêcher son parquet de craquer, vous prenez un pinceau, vous prenez du talc et vous saupoudrez avec le pinceau les interstices entre les planches à l'endroit où votre parquet craque. Vous verrez, vos voisins vous diront merci. Si vous avez d'autres astuces, d'autres bons plans, n'hésitez pas à les partager sur le comptoir de la débrouille sur Facebook. Salut !